encadrait l'arbre de la forêt. Des grades académiques. Certes, il y a eu beaucoup de problèmes au cours inspiré le président, le fondateur de l'Université chrétienne internationale.
cadre académique à nos étudiants finalistes de l'édition 2016-2017. Pour votre gouverne, cette édition est la 22e promotion de la collation des grades académiques à nos étudiants finalistes et toutes les facultés confondues. Nous vous souhaitons tous, mesdames et messieurs, la bienvenue dans notre somptueux cadre du campus de l'Université chrétienne internationale. Sentez-vous bien. Nous tenons à remercier le Seigneur Dieu des armées célestes qui, durant 4 années de dur labeur, a su ouvrir la tête de ces jeunes gens et la remplir de bonnes idées pour aller changer le monde. Qu'il soit loué. Quatre années durant du GED, disais-je, l'administration de l'UCI a résolu plusieurs problèmes relatifs à la vie quotidienne du corps enseignant ainsi que celle des étudiants et pourquoi pas de ceux de tout le personnel œuvrant au sein de l'UCI. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'aucuns ignorent que l'Université chrétienne internationale fonctionne dans le système LMD, licence, maîtrise et doctorat depuis 1990 ou 1990. Les cours, ainsi que cette année académique 2006, de première licence, deuxième licence et troisième licence. Nous offrons la possibilité pour les Africains en général et les citoyens du bassin du Congo de haut niveau international, de tradition libérale, aussi de la parité entre l'homme et la femme. C'est ainsi que depuis les années académiques 2014, au cours de cette année académique 2016-2017, l'Université chrétienne internationale a demandé aux églises de nous envoyer 2 filles que nous allons scolarisé dans le cadre de la parité. Dans le cadre de notre programme d'éducation, notre fondation Entraide chrétienne, où j'exerce les fonctions de secrétaire général, donne la chance aux élèves de 5e et 6e année d'étudier au 2e trimestre avec la moitié de Minerval, presque gratuitement. Il y a aussi un service de télémédical où les spécialistes en médecine consulteront à distance. Les femmes qui ont des difficultés pour avoir les enfants seront aussi consultées en télémédecine. Qui en fait c'est quoi? On n'a pas les spécialistes ici, eux sont des spécialistes et traitent directement les cas et nous donnent les indications comment les soigner. Dans le futur, on espère agrandir ce groupe. Pour l'instant, ils sont au nombre de 19, y compris des psychiatres. Sachez que dans ce pays, 70 millions d'habitants, nous avons 47 psychiatres. Enfin, dans le cadre de la télémédecine, nous voulons aussi offrir des traitements de très haut niveau aux Congolais. Donc, dans un avenir proche, les lundis, mercredis et vendredis, tous les cas compliqués seront examinés par des experts internationaux. Et dans un très proche avenir, c'est-à-dire soit au début du mois ou à la fin, on va commencer avec le professeur Brannan et l'University of Harvard, avec le professeur Rajen. Ils nous ont permis au point de mettre un master en droit humanitaire sous région. Les premiers diplômés sortiront, je pense, à la prochaine rentrée académique. Enfin, ça s'adresse à tout le monde, hein, même si vous connaissez des gens. Nous avons aussi un accord avec les hôpitaux indiens et autres pour en faire directement leur spécialisation à l'étranger. Alors, pour l'instant, nous avons une femme médecin, Alain, ainsi que nos étudiants en doctorat, qui sont au nombre de 3, qui vont faire leur rotation dans des hôpitaux indiens qui sont ultra modernes. Quant à la pétrochimie, on va... Donc, nos étudiants vont mettre au point un système de diagnostic ultra rapide. Donc, avec à l'aide d'un smartphone et un logiciel approprié, on photographie l'œil
Cette photo est envoyée à nos partenaires américains. Voilà ce que nous sommes en train de faire ici. Je ne prendrai pas plus de temps. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah. Docteur Détal, professeur Mbala. Sous vos acclamations, le docteur Mbala. Vous aurez peut-même se retourner contre vous parce que à atteindre aujourd'hui et vous montrer, sachez que le monde des intellectuels a au moins 12 pages. Vous n'en êtes. Voilà le professeur docteur Détal. Mesdames et messieurs, maintenant c'est le mot du représentant des étudiants. Je profite aussi de cette occasion. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, applaudissez avec vivacité pour les représentants des étudiants. Distingués invités, chacun en vos titres et qualités respectives. Les mots me manquent pour vous remercier de rehausser de votre présence cette cérémonie de conférence de grades académiques. Nous voici vos enfants à l'honneur aujourd'hui. C'est le couronnement d'un dur chemin d'apprentissage. Spécifiquement, dans les arts libéraux, l'Université chrétienne internationale nous aide à être une solution aux problèmes qui désolent nos milieux. La tâche qui nous attend n'est pas facile. Certes, nous allons tout faire pour nationale. Nous sommes préparés à créer des emplois. Et avec vous, nous allons réussir ce défi. En un mot, merci pour votre participation à ce début de notre chemin. Je vous remercie. Ce programme, c'est avec Théolico. Mesdames et messieurs, si nous sommes aujourd'hui ici, c'est le chancelier de l'Université chrétienne internationale, le professeur docteur Stéphane Dittadine. Je vous donne la parole. Merci d'avoir été beaucoup patient avec nous aujourd'hui. Nous avons eu un peu de difficultés car l'année dernière, il y avait juste à la fin des communiqués contradictoires qui pensaient que nous devons changer la date de la collation, alors que 3 mois avant, nous avons invité déjà les parents et d'autres personnes. On ne peut pas toujours improviser, surtout dans le milieu académique. C'est pourquoi nous avons attendu que vous arriviez tous pour que nous puissions commencer et travailler, car ces jeunes gens, aujourd'hui, nous rendent fiers. Je suis fier d'être africain, je suis africain. Je suis fier d'être congolais. Je suis congolais. Il n'y a aucune nation au monde laquelle j'aimerais venir, membre ou parti, à part les Congos. Les Congos m'ont tout donné. Les Congos est ma chère patrie. Et je suis engagé de voir que ce pays, le nôtre, nous les bâtirons à devenir, à avoir sa plus belle robe. Aujourd'hui donc, j'ai juste quelques minutes pour ne pas m'abuser de votre patience. Je voudrais parler uniquement aux finalistes. Derrière chaque finaliste, il y a les sacrifices des parents. Il y a les sacrifices de ceux qui vous ont appuyé d'une manière ou d'une autre. Et vous avez payé un lourd prix pour arriver là. Mesdames, mesdemoiselles, aujourd'hui, lauréat, félicitations. Bravo. Également,
un corps scientifique dédié, dévoué et déterminé de voir que, quels que soient les enjeux, quels que soient les défis, ils répondront présents toujours pour voir que le Congo va aller de l'avant. Nous ne pouvons compter sur personne d'autre à part nous-mêmes. C'est nous, les dignes fils de ce pays, qui bâtirons ce pays. Et les professeurs, les assistants, les encadreurs et tous ceux qui ont appuyé nos étudiants, nous disons merci. Nous sommes maintenant tous dans cette détermination que c'est le LMD, l'unique manière d'aller de l'avant au XXIe siècle. Et l'université est l'institution académique qui donne au-delà de la licence. Donc, pour être université, il faut que l'institution donne au minimum une maîtrise. Moins que la maîtrise, c'était ce que les Anglais appellent collège. Ce n'est pas encore une université. Donc, le défi est grand au Congo. Il faut pousser avec la maîtrise, pousser avec le doctorat. Et nous sommes déterminés de voir. Mais pendant que je voulais parler aux étudiants aujourd'hui, j'ai posé la question à ma secrétaire. Qu'est-ce que je peux dire? Elle a dit, mais écoutez, vous le faites avant moi, vous le faites bien, donc je n'ai rien à vous dire. D'accord. Je suis parti à l'homme le plus âgé. Que peux-je dire aux étudiants? Mais peut-être parler des Congolais, des Africains qui est menacé en Afrique. Tiens, c'est intéressant. Je parlerai de ça aujourd'hui. Mais un continent qui était victime de beaucoup de choses. Entre autres, nous étions le seul continent au monde qui avait exploité, bâti d'autres nations. On nous a arraché les meilleurs de nous-mêmes qui ont bâti toutes les nations à part la nôtre. Et à la veille de l'indépendance, pendant que l'homme blanc rêvait encore, tel que pour le Congo, pensait qu'il n'y aura pas indépendance. Et quand il est parti brutalement, il a envoyé des mercenaires pour venir les récupérer. Et après les mercenaires, il venait tout voler que tout le Congo est mort dans toute son histoire, même avec la brutalité incroyable de Léopold. Mais nous pensons que aujourd'hui, le Congo, notre pays que nous regardons, les gens qui sont morts seulement guerre inutile. C'est 6 500 000 habitants, c'est-à-dire, vous prendrez le Gabon, vous prendrez la Gambie, vous prendrez au moins 4 autres petits pays, éliminés de la face de la carte géographique, et c'est les Congos qui sont morts. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne n'en parle, et personne ne pense que c'est normal que les Congolais soient déracinés de leur propre peuple. Mes chers frères et sœurs, vous avez un défi incroyable. La tâche devant vous devient périlleuse. Nous vous envoyons dans un monde méchant et dangereux. Vous serez comme des brebis entre les mains des loups. Vous allez dans un monde difficile. Venez et suivez-moi, c'est-à-dire les leaders que vous êtes, les leaders que nous avons écrits devant la porte de l'université. Nous préparons la nouvelle génération de leaders africains. Mais ces leaders-là, qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'ils deviennent les modèles, les chefs d'orchestre. L'Afrique est le continent où les leaders, les chefs aiment blâmer les subalternes. Les chefs sont bons, mais les subalternes sont mauvais. Mais non, c'est les chefs qui sont les chefs d'orchestre. Si l'orchestre va mal, c'est lui qui a donné les mauvais tempos. C'est le chef qui est le responsable. Vous devez vous assumer. Laissez la culture des excuses. Laissez la culture de pointer les doigts aux autres. Si ça ne marche pas et que vous êtes leader dans la formule de Jésus, c'est exactement vous les responsables. Car c'est vous les chefs d'orchestre. C'est vous qui arrangez. C'est vous qui... Elle n'est pas là. Nous avons du Majoli, Yanda.
verbal de vos travaux académiques et la direction du jury, je vous confère les diplômes des licenciés en hautes études commerciales et gestion. Nous attendons la lauréate de cette faculté, madame ou mademoiselle
tout et odias tout maté. Et la lauréate du premier doctorat, comme la précédente, après avoir passé brillamment l'exadoc, l'examen d'admission en faculté de médecine et études doctorales, elle est en train de faire des recherches qui la terminent fondamentale en biomédical. Qui sanctionne ses diplômes. Ainsi donc, Mme Odia, sur base de vos travaux académiques, référence et cadre de stage, c'est un honneur et un privilège pour moi aujourd'hui de vous conférer les titres des licenciés en biomédical avec tous les droits. De privilèges que cela apporte. Allez changer le monde avec mon parti. Nous attendons rapidement Makengo Mabuluka. De voir que les jeunes gens ont accompli leurs rêves. Ces rêves, une réalité, nous prions que maintenant le Seigneur les accompagne, qu'il les bénisse, qu'il les soutienne, qu'il les conduise, afin qu'ils deviennent pour le Congo une solution à ces multiples problèmes. Bon, les journaux, la langue, il faut parler maintenant à Lingala. Pour que sache que nous, on a fait les tapis en français, maintenant on va aller à la langue. Ok, vous allez, on va répondre. Le message, je pose à la voix là-bas. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Et Zaline, mon collègue est Sengo. Pote Banabiso, à Longi. Salim Sala, ma boss. Sala qui est top. Ma boss, c'est un peu là. C'est un peu là. Le minimum possible à médecine, ça lui crève Navajo. Ils sont maintenant utiles à la carte société. Pour moi, c'est vraiment l'honneur et la joie. My name is written on his heart.